Souvenir, souvenir, car il est bien loin le temps des cerises quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage. D'amour ? Oui. Un autre âge ? C'est étrange de parler d'amour ? Hein ? C'est étrange, ça vous paraît étrange ? Ma femme en a 5. Vous me parlez d'amour à mon âge ? D'amour ? Oh, c'est plus de notre âge. Non, faut pas me parler d'amour. Ma part, je ne pense pas du tout, vous savez. J'ai tellement mes enfants, je ne vis que pour eux, alors vous savez le reste. Quel est votre plus joli souvenir d'amour avec votre femme ? Ah, c'est quand on pouvait s'en occuper la nuit. Est-ce qu'on appelle amour étant jeune à votre âge, par exemple ? Permettez-moi de vous le répondre. Eh bien, ça se traduit par un sentiment de tendresse. On est de grande affection, de tendresse. Cette tendresse, je ne sais pas, chez des personnes âgées, elle dure ou elle ne dure pas, je ne sais pas. J'ai la chance d'avoir un mari merveilleux, et cette tendresse, elle est restée très profonde chez nous deux. Un béguin ici ? Oh non, pas de béguin. À mon âge, vous vous rendez compte ? L'amour n'a pas d'âge. Ah bah oui, l'amour n'a pas d'âge, c'est ta fête, mais je n'ai pas de béguin. Peut-être pourras-tu, sur cette map monde, découvrir la vertu qui sauvera le monde. Si tu peux. Vous répétiez, c'est mon suprême, je vous aime. Il a deux pouettes-pouettes, pouettes-pouettes, pouettes-pouettes. Il a deux petits yeux très chouettes, pouettes-pouettes, pouettes-pouettes.